projet Campus Virtuel en gestion est un projet qui est né d'un consortium entre les trois écoles de gestion de la communauté française, qui est porté donc par HEC École de gestion de l'Université de Liège, en partenariat avec la Solvay Brussels School et la Louvain School of Management. Jusqu'en 2007, nous avons développé des cours de manière un peu isolée, mais depuis 2008, nous avons à nouveau un nouveau financement de Fonds social européen. Et là, on a pris comme option d'organiser ces différents cours en un programme cohérent, complet, qui permet donc d'offrir un online executive master in management. Donc c'est un vrai programme qui délivre en bout de course un certificat reconnu par les trois écoles de gestion et inscrit dans les trois universités. Le programme de certificat est lui un programme donc, qui couvre en tout 60 crédits organisés en deux années civiles. Il démarrera pour la première fois en janvier 2009. C'est un programme donc, qu'on a divisé en quatre grands modules. Donc, le premier module, c'est le module environnement des affaires. Donc, c'est une approche macro qui permet de situer l'entreprise dans son environnement. Ensuite, le deuxième module, on rentre vraiment dans le cœur de l'entreprise. C'est une approche beaucoup plus micro. Et là, on apprend toutes les techniques de gestion de l'entreprise, hein, depuis ce qui concerne la finance, mais aussi le marketing, la gestion des ressources humaines, la production, la logistique et d'autres choses encore. Le troisième module est un module qui est beaucoup plus axé sur l'individu, sur la personne, puisque l'idée est de permettre d'acquérir des compétences en leadership et self-management. Et enfin, le quatrième module, c'est le module de projet intégré d'entreprise. Donc, c'est le module qui permet de produire le travail de fin d'études qui lui prend 15 crédits dans l'ensemble du certificat. Donc, l'Executive Master est constitué de quatre modules qui sont chacun constitués de différents cours qui vont permettre à l'étudiant d'acquérir un certain nombre de compétences nécessaires au métier de manager. Chaque cours est organisé dans une alternance de distance et de cours présentiels. Prenons l'exemple d'un cours où les étudiants vont devoir réaliser un exercice à distance de manière complètement inductive avant d'avoir vu la matière. Pendant la séance présentielle, le travail que les étudiants ont effectué à distance va être débriefé et ce sera aussi l'occasion pour les professeurs de donner les premiers éléments de matière et de donner les instructions pour la partie qui va se passer à distance suivante. Alors, à distance, les étudiants vont préparer la matière du cours suivant. Et ainsi de suite, tout ça va être débriefé. Et en fait, le cours se construit à partir de ce que les étudiants amènent. Donc, c'est une dynamique complètement différente par rapport à l'enseignement traditionnel. Les séances présentielles sont l'occasion pour les étudiants de rencontrer leur professeur, qui est l'expert contenu de la matière. Et entre les séances présentielles, les étudiants travaillent dans une sorte de classe virtuelle, qui est en fait une plateforme e-learning. Et dans cette classe virtuelle qui se trouve sur Internet, l'étudiant va trouver tout ce qui est utile à son apprentissage. Donc, il va trouver un site multimédia où sont toutes les ressources de cours. Il va trouver des outils de communication pour communiquer avec les autres étudiants, mais aussi avec les tuteurs qui sont les assistants des professeurs et qui vont encadrer les étudiants pendant toutes ces périodes de travail à distance. Au cœur du projet, nous avons aussi développé un référentiel de compétences managériales, avec la collaboration d'ailleurs des centres de recherche des universités. L'idée étant qu'à l'issue du programme, nos participants aient développé une série de compétences managériales. Alors, les différents cours sont articulés sur ce référentiel de compétences, permettant chacun de développer l'une ou l'autre compétence. Les idées clés de ce référentiel de compétences, c'est que nous désirons former des managers ancrés dans la modernité, des managers capables de prospective, capables d'action plutôt que d'analyse, d'entrepreneurship, c'est-à-dire capables de développer des projets dans l'entreprise, mais aussi de les mener à bien. Le but étant que les managers soient capables d'utiliser les différents outils TIC qu'ils auront découverts pendant leur parcours de formation dans leur pratique professionnelle. Un défi supplémentaire qu'on s'est donné aussi dans le cadre du projet, c'est le processus d'évaluation. Donc ce processus d'évaluation va combiner deux choses. Il y a bien sûr l'évaluation certificative, c'est-à-dire que pour chaque cours, les productions, les travaux des étudiants seront cotés. Il y aura le travail de fin d'études qui lui aussi sera coté.
Mais à côté de ça, ils se verront également pendant tout leur parcours de formation progresser sur le fameux référentiel de compétences managériales. Et nous allons donc concrétiser le tout dans un outil de e-portfolio que chacun pourra alors par la suite reprendre et valoriser dans le cadre de son évolution de carrière.